Dieu dit que, dit à ma Dieu que, c'est voilà les sons. Avant de commencer le discours là, Maria Jason, tu as écrit quoi, mémé? Maria Jason, tu veux continuer ou bien tu veux faire quoi? Jo 225, bisous là-bas. Maria Jason, tu veux aller à choses mais tu as vu Kane dans la main de qui? Tu continues? Tu il y a longtemps, tu es fatigué, tu me suis il y a longtemps maintenant, tu en as marre, non? D'accord. Tu en as marre, Jackson, ton nom, Jackson, tu es quoi? Tu es anglais? Tu es quoi? Tu es aux États-Unis? Jackson en plus. Maria, tu es fatiguée, tu veux le repos? Hein? Maria Jackson. Lou non comme ça pour être ça encore, tu vois ici. Ton papa américain, Jackson. Coco Maria Jackson. Jackson. Jas. Ton papa américain. Tu es au pays ici, tu t'appelles Jason comme ça. Hein? Lou non comme ça. Jason. Jason comment? Mais ton mari s'appelle Jason. Donc, Sachat, quand elle a vu que Mabiot tentait d'aller loin. Parce que Mabiot a traversé jusqu'à Mabiot tentait de rentrer dans les stars. Là. Sacha dit, elle ne continue plus. Tu sais, Mabiot, c'est les gens avec qui on ne critique pas. Mabiot, on ne critique pas Mabiot. Tu critiques Mabiot demain. Si un petit parental, petit discours net là, elle vomit. Elle, il y a Gombo. Gombo qui est dans la bouche de Mabiot là. Quand Sacha t'a vu, Sacha pensait que elle allait faire. Au fait, Mabiot fait sortir vite les choses, hein. Celle-là. Ah, faut pas critiquer. Ça dit, où est-ce qu'on n'a pas encore pris? Mabiot, qui en a fait, Aya? Tout ce qu'elle a dit, ce que Aya a dit, Mabiot dit les trucs, hein. Donc, quand Mabiot a commencé à dire les trucs des stars, là, Sacha t'a vu que c'est le même scénario de premier tour, là, de choses, la chic, là. C'est les mêmes choses de la chic qui vont se répéter. Donc, Sacha dit, je ne suis pas dedans. Toi, Sam aussi. Sam même, quand Sacha te fait ses camarades là, tout bien, quand ils sont critiqués, tu es là-bas. Tu n'es pas là-bas, tu viens prendre défense des messieurs. Ça même, c'est toi, tu aggraves les choses. Pourtant, tu sais que ta femme qui est là, c'est une parlementaire. Oui! Tu sais que tu viens une parlementaire. Quand elle a discours à ses camarades, au lieu de faire un peu de gens là pour faire un peu de politique, pour arranger, ils sont là en même temps, son pyjama, un pyjama des choses là, Brigitte Macron là. Ils sont un pyjama de Brigitte Macron. Ils commencent. C'est là maintenant son taux féministe là s'active maintenant. Hein? Sam qui est là. Quand il est là. Il y a des gens qui pensent qu'on fait le voyage ici. Non. Ici, il n'y a pas. Sam. Quand il est l'heure de faire Yaya, il enlève l'habit de chaud Macron là, il dépose. Quand il est l'heure de choses maintenant, des choses là, de papa, des choses là, il porte habit de choses. Il porte habit de choses là, Brigitte, il porte. Et puis il vient s'asseoir maintenant. Au fait même,
Au fait, même, il porte habit de Brigitte Macron. Là. Maintenant, quand il enlève veste de Macron, là, quand il enlève veste de Brigitte, après, il s'est emporté habit de choses. Comment on appelle? Des trucs, comment on appelle ça? De Macron, maintenant, lui-même. Johnny Hallyday, là. Il s'est emporté habit de Johnny Hallyday, maintenant. Il met ça, il est dans la maison. Après, il prend maintenant habit de choses, maintenant. Habit de choses, là. Brigitte. Bah, où il est là, mais c'est un Brigitte. Brigitte Macron, lui, là. Bah, c'est monsieur, madame. Donc, c'est dans ça. Quand il veut commencer, papa, tu vois, il porte habit de choses pour se sentir. Là, il va sentir. Elle va sentir ses lélo, là. Pour faire parlementaire des femmes. Toi, tu es chose. Tu peux pas causer là-bas. Tu l'as. Mais puis elle sort comme ça pour faire ses pléa. Hein? Quand l'affaire a commencé à s'élever en même temps. Voilà la chose. Ça, chatte qui dit là-bas que, au fait, je suis surpris. En ce moment, ma bio, gorge de ma bio est dégâts là-bas. Votre amitié, la font peur. On s'amuse, on rit, mais ça fait peur. On s'amuse, hein. On prend pour rien, hein. Mais ça fait peur. Ça fait peur, ça détruit la vie, ce que vous êtes en train de faire. Vous pensez que vous avez fini de réussir, c'est fini pour vous, comme ça la vie est finie. Ce que vous êtes en train de faire, ça ne me plaît pas. Hein. Ça fait peur, on rit, hein. Mais ça fait vrai, mais ça fait peur. Ça fait peur. Amitié même qui a fait jusqu'à Camila, la mère, elle est partie à la Maca. Amitié là. Camaraderie de palabla, ça envoyait une même à la Maca. Oui. La première qui a commencé, puis Sacha a commencé là. Ça l'a envoyé à la Maca. Qu'est-ce qui vous lit comme ça jusqu'à vous discutez et puis palabla sort jusqu'à vous vous convoquez à la police. Jusqu'à on vous envoie même dans. On vous met à la Maca même. C'est pas parce que tu as volé, hein. C'est pas parce que tu as volé qu'on t'a mis à la Maca, mais c'est pas parce que tu as pris, il y a eu escroquerie ou bien l'argent de quelqu'un est gâté dans ta main. Non. Mais dans le fait de camaraderie, pala. Richie, mon grand frère. Non, hein? Mais dans le fait de comme ça, mais puis vous vous retrouvez, vous dites, c'est vrai. C'est vrai, on entend, il prend pour rien. Mais c'est vraiment honteux. La Congolaise, ma petite soeur chérie, ma petite soeur d'amour, ma chouchoulou, mon bébé you, ma petite soeur de qui je suis très fière, que j'aime comme ça de tout mon cœur, de tout mon être. Ma petite soeur, quand elle va finir d'accoucher, puis aller laver son enfant, c'est à cause d'elle. Elle peut bien d'avion, elle aller laver bébé pour venir. Ma petite soeur d'amour, chouchoulou, dès qu'elle finit d'accoucher net, là, je m'en vais, elle va payer mon billet, je m'en vais. Je vais laver bébé pour venir. Personne ne va aller là-bas. Les guéris, là, n'iront pas. C'est moi, je vais aller laver l'enfant pour venir. Que Dieu te bénisse, mon bébé. Je t'aime trop. Je t'adore comme ça. Je t'aime même. Je t'aime fort comme ça. Tu es ici comme ça, fier de toi comme ça, d'une manière, tu ne peux pas comprendre. Très fier de toi. Continue de zouker à Paris là-bas. Colle ton blanc, masse-le. Comme tu sais si bien le faire. Buzz ou pas, c'est quel buzz? C'est quel buzz? C'est quel buzz qui n'a pas de limites? Audience n'ont pas eu. Vous parlez de buzz comme ça, comment? C'est quelle audience n'ont pas? Toutes les filles, elles ont de l'audience. Sacha a audience. Sacha, son audience, c'est pas possible. Elles ont des abonnés, pas possible. Ma bio, on n'en parle pas. Ma bio n'a pas besoin de venir. Ma bio même, qu'est-ce que ma bio a dit et puis son nom est monté. Ma bio n'a rien fait. Dans Papatua. Dans Papatua, et puis aïe, il y avait bavardage là. Dans ça, nom de ma bio est monté. Quelle audience elles n'ont pas?
Et puis encore, pour des choses comme ça, ils vont se dévoiler. C'est quand même assez grave, hein? Si vous avez des personnes. Si vous avez des personnes. Si vous avez des gens dans votre vie, si vous avez des hommes dans votre vie, vraiment, arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Ça, faut que je sois clair. Vous, certains venant dire que, qu'est-ce que tu dis? Tu dis quoi? Tu racontes quoi? Toi, tu veux te prendre pour la plus parfaite. Tu veux te prendre. Vous avez dit, il n'y en a pas d'amis. Nous, on a des amis. Moi, j'ai des amis. Moi, j'ai plus de connaissances que d'amis intimes. Oui, j'ai beaucoup de connaissances. Je suis connue par beaucoup de personnes. Les quartiers que j'ai fréquenté là, j'ai eu des amis. Non. Philippe, pour avoir un contenu, on ne peut pas faire comme ça. Pour avoir un contenu, ce qui est sorti dans la bouche de ma bio là, où ils ont parlé d'une star là. On ne peut pas prendre contenu. On ne peut pas chercher contenu à ça. Elles font de l'audience déjà. Elles ont de l'audience déjà. Elles font des publicités. Elles peuvent trouver quelque chose entre elles-mêmes pour se clasher. Si c'était buzz là, elles ne vont pas sortir dans la vie de d'autres personnes où elles ont même parlé d'une autre star là-bas. Oui. Elles n'allaient pas dire le nom de la star. Si c'est buzz, ça allait se limiter entre elles. Mais ce que l'autre a dit concernant les stars ou bien telle personne que ses amis là, personne n'allait faire sortir ça. C'est que c'est pas un buzz. C'est pas un buzz. Hein? C'est pas buzz. Vraiment, revoyez. Hein? On prend pour rire. On s'amuse. On prend pour faire rire. On va pas prendre des organes dedans. On prend pas des parties. Mais revoyez-vous, à cause de demain. Ça là, ça peut faire qu'une va rater son vol à l'aéroport pour aller quelque part dans un truc urgent à cause de papatoya là. Revoyez-vous. Et puis quand on vous dit des choses, il y a des choses là, il y a des papatoya, on ne fait pas. Ça peut détruire une vie. Ma bio, faut retenir le côté là, pardon. Faut retenir le côté là, ma bio. Faut retenir le côté là. Vous les stars aussi qui dites que vous êtes stars là, vous ne vous revoyez pas un peu. À chaque fois, c'est pas vous pique, mais chaque fois, donc à la fin de la journée, les gens vont comprendre que c'est vous-même, votre monde, c'est ce que vous aimez. Sinon, pourquoi une personne ne peut pas créer un mythe autour d'elle? Un mythe autour d'elle. Et puis chaque fois, les amitiés sur les réseaux sociaux, qui ont failli même vous coûter la vie. Parce qu'on ne peut pas charger des gens comme ça. On ne peut pas charger la vie de quelqu'un comme ça. Moi, si ce n'est pas que les abonnés, si ce n'est pas que des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes qui croient en vous, qui vous posent sincèrement dans les cœurs, qui ont fait des prières, qui ont passé le temps à vous soutenir. Si ce n'est pas à cause d'eux, mais je dis que vous allez prendre un coup. Parce qu'on ne s'assoit pas sur la vie de quelqu'un comme ça. Mais à la fin de la journée, quand les gens vont regarder, ils vont penser que vous-même, c'est votre. Donc, pour être à la page chaque fois comme ça, il faut qu'on vous malmène. Il faut qu'on vous ridiculise. Comment on peut ouvrir la porte à tout le monde comme ça? Les amitiés des réseaux sociaux, à cause de ça, on ouvre sa porte, sa chambre. Ça dit que sa vie aux gens, les gens des réseaux sociaux là, qui aiment se coller aux gens pour faire amitié, pour savoir comment tu manges, comment tu t'élèves, comment tu t'assois, comment tu chies, comment la couleur de tes fesses là est. Comment tu bois café, comment en bas de tes aisselles sont, comment tu as dormi, puis tu as fait ta bouche comme ça, et puis ils vont te filmer pour aller mettre, savoir avec qui tu sors. Amitié des réseaux sociaux. C'est là-bas, on ouvre bêtement comme ça, le cœur, on ouvre bêtement la porte, et puis chacun rentre, et puis il vient, il veste, nyamanyama, il fait tout. Et puis après, ils vont aller te dénigrer. Mais vous savez que sur la toile, les gens ne sont pas crédibles. Combien de fois vous allez comprendre ça? Les stars dans lesquelles les gens sont en train de prendre à chaque minute là, vous pensez que c'est ça là, les gens vont quitter là, vous dire, eh, vous l'en voulez, qui vous en veut? C'est qu'à la fin de la journée, c'est vous-même qui en voulez à votre propre vie. Parce que si vous n'en voulez pas, vous ne vous en voulez pas vous-même, vous allez faire la part des choses jusqu'à la dernière minute. Si on dit quelqu'un qui va être méfiante jusqu'à son dernier souffle, c'est vous. C'est quand même vous cette ça là, c'est vous qui allez être méfiante jusqu'au dernier. Jusqu'au dernier souffle, c'est vous qui allez être une femme vraiment méfiante là, c'est vous. Mais ouvrez la porte à tout le monde. Il y a des gens même, nous qui vendons Placalice, on ne peut pas faire amitié à eux. Vous, ils ont été vos amis. D'autres même dents au casque, dents cassées, d'autres yolomanes, d'autres toxicomanes.
D'autres même se sont levés, livres, sortis, matous, les ratatouilles. On ne sait même pas où tu... Vous avez déniché tout cela. Des nyama nyama même. Qu'on vous regarde même. On vous regarde même, on dit... D'ailleurs, il y a un mythe autour de vous, mais vous-même... Le mythe même, vous-même, vous ne le créez pas. Et du coup, tout le monde, tous les nyama nyama, nyama nyama de partout. C'est que l'audience tout de suite, les Sacha là, et puis Sacha, son amitié. Quand il voyait ça, il dit vraiment ça. Il dit ça là tout de suite là. Crédibilité, il ne va pas rester dans ça. Ça là, il va avoir des sens. Il va avoir Papa Touya. Il va avoir les discours. Il va avoir vraiment. Vous n'aimez pas créer de mythes autour de vous. On a lu les choses ici, on a vu les choses. Lisez-moi même, ils ont commencé là. Il n'y a pas eu suite, ça n'a pas eu tête, ça n'a pas eu queue. On s'est assis par terre, on regarde. On dit non, c'est comme ça, c'est comme ça. Dieu a tout changé. Il n'y a pas crédibilité dans pour vous. Il n'y a pas serpent m'a piqué. Si je vois code, je vais sauter. C'est comme je suis là tout de suite. Il y a les expériences de la vie sentimentale que j'ai eues tout de suite là. Je suis là tout de suite, je prends sentiment, sentiment, je prends sentiment. J'ai dit que si même si je suis en couple, j'ouvre encore mon cœur, je prends 100% de mon corps et je donne à chose. Foutez la paix aux gens, que Yélim arrête de se rabaisser là-bas. Est plus grande, qui est plus grande que qui là-bas? Et toutes elles sont vieilles là-bas. Qui est? Qui est qui est enfant là-bas? Quand elles veulent faire porter langue, tu sur les langues pour porter, pour mettre on comme ça, pour faire ça, là, elle vient se tuer. Moi, mais c'est une petite fille. Elles sont petites filles où? C'est des grandes filles. À quel âge elles ont cherché les garçons, mais puis elles sont petites, elles sont là-même. C'est des grandes filles. Jusqu'à quand quelqu'un ne va pas créer un mythe autour d'elles? Elles sont vieilles toutes, il n'y a pas une qui est âgée que l'autre là-bas. Yélimo, Sachato, Samo, ils ont même âge. Qui est enfant là-bas? Qui te donne enfant de ça? Chose même à quel âge? Ma bien même à quel âge? C'est le même groupe là. Ils sont âgés tous. Elles ont commencé à chercher des garçons à quel âge? Et puis, jusqu'à aller là, elles sont encore enfants même. Elles ont 22 ans. Elles ont 20 ans. C'est 20 ans qu'on appelle enfant. Où elles sont là? Elles ont dépassé 28 ans. Elles ont 30 ans. Elles sont vieilles. Foutez la paix aux gens. Nadia, merci pour les cadeaux. Elles ont quoi? Qui est plus grand? Qui est plus grand que quoi? La vie, façon la vie les a coiffés. Façon la vie les a coiffés. Où elles sont là? La vie les a coiffés. La vie les a fait bibel au Mali. Elles sont vieilles. Vous pensez qu'elles ont vieilli, c'est pourquoi? Il y a quelqu'un qui n'a pas, qui connaît pas garçon parmi elles là-bas. Elles toutes elles sont vieilles. Gaël, tout ça, elles sont vieilles. La vie les a coiffées. La vie les a coiffés ici. Deux jours là, Dieu a commencé à les bénir. Dieu a commencé à mettre un peu de huile d'onction sur les têtes. C'est là-bas, quand Papa Touya sonne là, vous allez les défendre pour maquiller, pour dire, lui là est bon, lui là n'est pas bon. Qui est bon là-bas? Et toutes sont pareilles là-bas. Parce que quand tu n'es pas pareil là, tu sais comment tu m'as. Tu sais que il y a eu bafou sur moi avant. Mais après bafou ça là, deuxième bafou ne peut pas se répéter. Aïe, ah, maintenant où j'ai ouvert ma bouche, je sais avec qui j'ai m'asseoir, je sais avec qui j'ai colporté, je sais avec qui j'ai mangé, je sais avec qui je vais faire truc. C'est vraiment, c'est lamentable, hein? C'est lamentable, hein? C'est lamentable, beaucoup lamentable même. Venant même de l'autre même qui est sorti là-bas, moi ça ne m'étonnait pas. Quand ils ont commencé à faire ce paradis hier, que non, chez la star, j'ai dit ça, là, ça ne m'étonne pas. Forcé, ça allait arriver. Forcé. Si ce n'était pas avec une entreprise là, qu'une broutage, ils ont fait entreprise ou les entrepôts, aucune entrepôt là-bas là, où il y a eu broutage là-bas là, forcé là-bas là. S'il n'y avait pas broutage financier là-bas là, affaire allait sortir là-bas. C'est parce que le broutage financier a fait que les gens sont allés dans Sinorosa des papis, dans Sinorosa, on ne sait plus comment là. C'est ça, c'est ça qui est chose là. Sinon, c'est quoi comme ça? On ouvre la porte comme ça aux enfants, même que nous-mêmes, on a accouché sur la toile. Les enfants, même qui se sont inspirés de nous, qui nous ont vus, qui nous regardaient un matin, qui nous ont regardés aujourd'hui, qui ont cherché à être notre, qui nous, pour nous ressembler. Tout ce qu'elles sont en train de faire aujourd'hui, là, c'est sur vous, elles ont triché. Les styles, les trucs, les mèches, les publicités, les trucs, c'est sur vous. Si elles sont venues là, en tant que. Vieille mère, c'est vieille mère à distance d'une manière comme ça, un respect qui ne dit pas son nom. Avec une distance, ça dit que distance, c'est à qui ne dit pas son nom. C'est vieille mère. C'est grande soeur. C'est là-bas, on se prend encore dans mon coquin. Dans mon cocon, on dit coquin, ouais, cocon, ouais, dans mon vouba. Dans mon vouba encore. Moi encore, prendre amitié d'Internet. Amitié d'Internet encore. Moi, elle prend un là-bas pour mettre dans mon vouba.
la mer, elles peuvent se mélanger. Elles se mélangent comment? Des vieilles ratatouilles comme ça, des vieilles. Live là est noir, hein? Mettez les cœurs. Garçon, tu demandes live là quoi encore? Faut signaler les choses, faut tapoter les choses là-bas. C'est là-bas, moi, il y a envoyé encore, les gens vont rentrer où je me lave, où je m'habille, où j'enlève peignoir, où je suis en train de faire mes choses, mes trucs, mes temps, où je prends mon yango là-bas, ils vont venir regarder encore pour dire que comme ça. Qui va vous donner le nom ça là encore? Vous allez regarder dans la vie de qui pour venir parler? Est-ce que les gens avec qui j'ai mal, les gens de haut standing là-bas, là? Vous avez déjà vu quelqu'un, un de mes amis là-bas, les Lionel là, vous avez déjà vu les Lionel là venir parler? Vous avez déjà vu les gens là-bas, les gens éduqués là, vous les avez déjà vu parler? Vous-même, vous savez que vous-même, vous adorez ça. Foutez la paix aux gens. Pour dire que non, rien de rien encore. Vous allez la dénigrer. Vous allez foutez la paix aux gens. Pour ne pas qu'on vous dénigre, pour ne pas qu'on vous tente. Créez un mythe autour de vous. Vous ne créez pas des mythes n'importe qui, n'importe quoi. Il y a des amitiés même. On vous a vu dedans avant. Même nous-mêmes, si on nous donne ça cadeau, on ne prend pas. On ne prend pas. On dit demain, on dit bonjour, puis on passe. Prends ça pour mettre dans son vouba. Et puis on sort demain, puis on vient, on me dénigre jusqu'à de la pire des manières. Jusqu'à mes enfants, mais on ne les laisse pas. Comme si j'ai fait rentrer Gugui dans le pays, mais j'ai fait rentrer Bobo Zagazaga au pays. Rien. À cause des choses, des mêmes comportements de femmes, nous tous, on n'a pas bon comportement. À cause de ça, on m'a chargé jusqu'à Dieu m'a. Il m'a levé de là, de 10 ans, pour me faire asseoir à la table des rois. Il m'a couronné de gloire au papa. Et il m'a donné le chemin de la vie. Jésus, yo, tu es Seigneur, personne ne pourra t'égaler. Tu quittes dans ça encore, tu vas encore dans Ratatouille. Tu vas dans Ratatouille encore. Ratatouille de Jésus encore. C'est que toi-même, tu adores. tu as un amour même de ça. Tu as l'amour même pour ça. Sinon, ça ne peut pas chauffer encore. Peut-être c'est à distance là-bas, vous allez voir, puis vous allez parler, sinon, dans mon vouba encore. Ça passe pas. À te chauffer, Tougouni. Tu as dit que tu es dans la relation amoureuse. Une fois, on t'a mal à taper. Deux fois, on t'a mal à taper. Troisième fois, on t'a mal à taper. C'est toi. C'est toi, quand tu tombes encore, tu vois garçon venir encore. Parce que tu as beau kiki, mais je tombe amoureuse encore. Je prends tout mon être encore, je donne. Je donne une partie. Une partie là, mais je vérifie, je coupe en deux pour voir si je peux te donner l'autre partie. De la manière que tu progresses sentimentalement avec moi, c'est comme ça que je progresse sentimentalement avec toi. En amitié, c'est pareil. Mais il y a les gens, même premier tour, on te. Première élection, on les coiffe. Ils vont être de 0,2, on les ramène. Deuxième tour, 0,1, on les ramène. Troisième tour, 1, combien on les ramène? Ça veut dire que, quelque part, tu as été toujours payé. Quelqu'un d'autre qui te là-bas encore, il vient à un comportement digital des gens, trop trucs. Je te donne la moitié, je divise. La moitié là. La moitié de mon cœur là, c'est ça que je te donne. Tu as attrapé la moitié. Et puis je suis là avec toi, il te regarde. Tu avances 100, moi j'avance 3. Tu avances 7. Tu avances 70. C'est maintenant, moi, j'avance 1,5. Puis, je suis là, il regarde. Jusqu'à tu as combien là-bas, là, pour que ma moitié, maintenant, va venir là, te trouver là-bas, là. On a avancé beaucoup, on a vieilli beaucoup, on a entendu voir beaucoup. Même les mêmes choses qui nous tuent, là, les mêmes trucs vont venir se répéter pour me mettre à plat encore. Ça ne me prend plus. Oui, ça ne me prend plus. Amitié ou roubaillé. S'asseoir et puis parler à tout le monde d'abord, pas seulement. Il n'y a pas temps pour ça. Je critique bien, mais je sais où j'ouvre ma bouche. Voilà, je vérifie d'abord. Toi, tu n'ouvres pas la bouche parce qu'il y a des personnes qui ont le papa. Tu as très rapide, tu as la gâchette facile. C'est ça qui est ma bio là. Vous savez que ma bio a la gâchette facile. Ma bio ouvre vite la bouche. Oui. Ma bio a la gâchette facile. Et c'est là-bas, toi, Sacha, tu prends voiture, tu vas, tu critiques tes camarades. Quelque part, quand on regarde, on dirait vous n'avez pas de crédibilité. Parce que ça fait honte. Quand on dit que telle personne, on dit là, ça fait tellement honte. Moi, on m'a déjà fait on dit. Honte que j'ai eu. Deux fois, on m'a fait on dit. À l'époque, quand j'avais mon maquis là, j'ai critiqué mes petites qui venaient là-bas, là, il y a une là, dans le portable.
L'autre est venu expliquer. Dans l'explication, ils n'ont pas coupé portable. Elle était là à communiquer à l'autre. Ils ont fait portable, la gare portable n'est pas coupée. Il faut me voir en tête de dire à l'autre petite là. Et Diane n'a qu'à quitter là, elle aime trop ça. Hmm? Toujours c'est elle, c'est comme ça, c'est comme ça. J'ai dit, la petite fille a entendu dans le portable. Que la vieille mère, même qu'elle vient mère, au lieu de nous régler, nous arranger là, elle a tenté de me critiquer, elle, l'autre. J'ai dit, on dit, portable n'est pas coupé là-bas. Vers quelle heure là-bas, la vieille mère, on m'appelle à la maison. Les enfants, quand ils m'appellent, c'est pour dire, la vieille mère, elle, c'est à Placali. Elle, là-bas, je faisais Placali à 14h. La vieille mère, tu sors, mais tu sors pas, on est là. Hein. Aujourd'hui, là, on me met à la barre. J'ai dit à la barre, comment? On dit, la vieille mère, il faut venir. Où? J'ai dit, aïe, j'ai fait quoi? J'ai fait quoi? On dit, viens, il y a affaire. J'ai dit, affaire comment? L'autre a dit, ah, portable, là, déjà, portable n'était pas été. Tout ce que tu as dit là, tu étais là midi là. Elle a entendu. Elle dit que toi, à partir d'aujourd'hui là. Et mon nien est là. Mon nien elle a fait zou. J'ai dit, yé. Ma vie dit, sauce même. Sauce était là assaisonnée là. Sauce là, il dit. Pourtant, j'ai parlé beaucoup, hein. J'ai parlé là, j'ai parlé même. Et... Brouette est venue prendre ma nourriture là. Parce qu'en ce moment, j'avais un autre magasin que j'ai eu vers l'école municipalité là. C'est devant là, je prépare. Puis Brouette là vient prendre ma sauce là pour envoyer. Les enfants qui m'appellent viennent mettre là. Je suis venu, génial. Génial, j'ai mis sauce là, je suis là, fait comme je sais. Les enfants l'ont dit que si tu finis de servir là, il faut venir. Ah, je sais, Placali là, ça, c'est presque fini. Oh. Je suis là, servi, mon ventre tourne, je ne peux pas tourner derrière. La petite, elle me fait comme ça en haut, en bas. J'ai dit, je mérite. Il faut me regarder comme ça. Je mérite. Après encore, je suis allée faire l'autre papa, toi, la petite fille, celle-là, elle dit, c'est passé, tu es la vieille, mais tu es une femme, là. Tu es gentille, elle, tu as bon cœur. C'est passé en vrai, même, là. C'est que, de toute façon, tu nous prends, là. C'est que ça, moi, elle est toujours venue ici, sinon, là. J'ai dit, j'ai fait quoi? Je mérite tout ce que vous voulez, là. Faites-moi, je mérite. C'est toi-même, c'est passé ton comportement, là. C'est ça qui m'a fait parler un peu. C'est pas comme ça que tu as parlé, là, mais si tu veux, là, elle dit ce que tu as dit. Et ce qui allait, là, s'il y avait un enregistrement, on connaissait, là, ils allaient m'enregistrer. Ah, j'ai parlé. Tu l'as bien critiqué dans la main de ça. Comment j'ai dit, elle aime tout ça. J'ai dit, toi-même, tu sais, j'ai dit, j'ai fait comme ça. J'ai dit, je mérite. Dites-moi ce que vous voulez. Après, c'est laissé dans les rires, dans le bavardage. J'ai fait chaud. Puis, eux-mêmes, là, ils ont payé les chauds glacés pour me donner. On a commencé à consommer les chauds. Et les chéris, quand les chéris sont venus, j'ai dit, demandez pardon. Oh, c'est gâté sur moi. Une vieille mère, pas partout comme ça. On te prenait pour chaud là. Tu vois, les petites filles allaient voir là, sur moi. Après, je suis venue faire patois ici, au docu ici là. Je suis allée critiquer. J'ai critiqué une de mes grandes soeurs là, avec une de mes soeurs. Elle est partie s'asseoir quelque part pour dire ça. Quelque part où elle est partie s'asseoir, quelque part après là, pour aller dire là-bas. Où je suis quittée et puis, je nous fais ma bouche partout là maintenant. Là. C'est ça qu'elle a. Hein. Ça m'a déjà fait ça. J'ai critiqué une vieille mère, là. Je l'ai critiqué quelque part. On a critiqué à deux. L'autre est qui on a critiqué là. Elle s'est levée, elle est partie s'asseoir quelque part. Où elle est partie dire là? Où est-ce qu'elle a dit là? C'est pas celle-là qui nous. Non, c'est nous deux, on a pilé. Hein. Elle allait dire quelque part. Quelque part où elle a dit là, quelque part après. J'étais pas là, j'étais en boîte. Quelque part, elle est venue dire. Toi, ma grande soeur, elle m'a bloqué. Marie Kwasi. Ma soeur chérie est sous le poste. Mon sang. Où elle est partie dire là? Ma soeur là, je suis à Boaké là. Quand je l'appelle, je l'écris, elle répond plus. Elle m'a bloqué sur Facebook. Donc, j'ai appelé celle qu'on a appelée là. C'est elle que j'ai appelée en premier. J'ai dit toi là.
J'espère que ce qu'on s'est dit là, papa, tu as une affaire, tu n'es pas allé dire ça là-bas. Parce que quand je parle, maintenant, elle ne me répond plus. Elle dit, non, hein. Mais mon instinct de femme là me disait que c'est Nîmes aussi, moi. Tu sais que là, on a mon instinct me dit que c'est gâté, c'est poto, c'est gâté sur moi, c'est Nyarami. Je sentais que ce qu'on a fait là, le grignotage est gâté. Je sentais ça. J'ai dit, tu as gâté. J'ai dit, toi là. Toujours je l'appelle, je l'envoie un message. J'ai dit, toi, tu as dit. J'ai dit, tu as dit. Elle dit, moi. J'ai dit, tu as dit. J'ai dit, je viens, je cherchais maison maintenant. Je revenais au docu. Je cherche maison. J'arrive là-bas, j'ai dit. Les enfants de ma vieille mère, là, ses enfants, oh, dans les cours là-bas, là. Ou quand je rentre, tout le monde crie, là. Tantôt, madame, souvenir, on me regarde comme ça, on traite la peste. Et c'est que les enfants ont dit, oh, la peste est là. La peste, oh, la seple, la papato. J'ai dit, honte. Ouh, je n'ai pas eu honte dans ma vie comme ça. Les enfants, même, les enfants de 12 ans, 13 ans, 14 ans, ces enfants qui me regardent pour me dire, il a dit tout le monde, regarde, on dit la peste. C'est ça que dans l'air que là, c'est ça, il disait, la peste, oh, la peste est là. J'ai dit, mon cœur l'a fait, j'ai dit, nyéné. La peste est là, oh, la peste. Je suis allé, j'ai appelé l'autre là. Elle n'a pas parlé, hein, ma vieille mère là. C'est devant papa de mon enfant, elle a déposé papa de mon enfant, puis elle a commencé à pleurer. C'est là qu'on commence à couler, qu'elle n'a pas pensé que moi je vais dire ça. Pour enlever un peu de honte dans mes yeux là. J'ai dit, je n'ai pas dit. Est-ce que c'est ça que j'ai dit? Mais qui a dit? Quand je demande qui a dit là même là, ça sent. Dans mon visage même, ça sent la honte. La honte avec le mensonge même dans mes yeux, tout mon visage là, ça. Le mensonge même. Papa de mon enfant regarde comme ça. Il dit, c'est ce que tu as fait à ta grande soeur. De toute façon, le respect qu'il a pour ma vieille mère. Il dit, c'est ça que tu as fait. J'ai dit, moi. En ce moment, il regarde comme la peste au quartier. Il dit, la peste est là-haut. La peste. Ma commande là. Il dit, on se bat. La honte là. La honte là, j'ai dit on se bat. J'ai dit toi, on va se battre jusqu'à. On va pas. On va pas se laisser. J'ai dit. J'ai dit toi, on va se battre. On se bat jusqu'à. Quand on va nous attraper au carrefour là. Quand on va nous demander pourquoi vous êtes en train de vous battre. Tu vas parler pour dire que non. Deux grandes filles qui se sont assises quelque part pour parler un peu là. Un peu là. Tu as pris pour aller dire. Oh. Tu m'as mis la honte. On m'appelle la peste. Judas. Quand je viens même là, c'est Judas même. Il a dit les enfants là. J'ai dit que je ne partais plus là-bas. J'ai parlé aussi à hein, Judas même. J'ai dit toi, on se bat. Maintenant, par là, ben, fini entre moi et puis la vieille mère là. Je m'en vais là-bas, j'ai fait maison. Quand l'autre vient, on ne se parle pas. Quand on se voit, on se. Eh non, 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 non. On se parle pas. Je cause à elle, la grande soeur là. Mais l'autre là, on se parle pas. Quand je suis assis là, mais arrivé chez la grande soeur là, même pas. C'est un coin de onglerie. Onglerie là, vous savez que coin de onglerie là. C'est là-bas tous les sepléas quittent. Et c'est là-bas qu'on s'est connus. Donc c'est là-bas, on s'est connus. Et puis nous, on est quittés, on est devenus. On a fait notre appartement à deux. Dans l'appartement où on était là-bas là. Dans notre appartement là. Notre, je pensais qu'on avait notre petit truc caché à deux. Ja, 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 ja.
On n'a pas de secret, nous deux. J'ai dit, quand j'arrive dans le coin de la grosse soeur, mais pour faire mes choses là, mes ongles là même là, s'il y avait cachiné en ce temps là, j'allais porter cachiné. Quand j'arrive là, ma bouche est comme ça. Je dois mes ongles une fois comme ça. Puis, quand quelqu'un même vient, les femmes, Madousou. Quand quelqu'un vient, Madousou, dit quoi ça veut dire? Merci, oh, ça va. Ça va. Enfin, mes ongles, il a fait, il est parti. Ma gauche, la fait bricot, 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 comme ça, critiquer qui est doux là. Ma gauche, la fait bricot, 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 bricot. Ça fait goui, 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 goui. J'ai dit, Chilo, la valeur ajoutée, ma soeur chérie. Ça m'a laissé. J'ai évité tout. J'ai coupé. J'ai tout coupé. J'ai coupé mal même. Amitié toxique, amitié où on ne peut pas dire que je puisse rester entre nous. Là. Même si on est quatre, on est cinq. Là. Il y a des petites amitiés sur le côté comme ça. Puis, j'aime tout ça. Nous, avant, on a critiqué les maris Kouassi et nous. Nos soeurs, là, on a critiqué avant. On a pilé. On pile même, on prend les choses de famille, on s'assoit sur le côté comme on pile. On pilait nos grandes soeurs un peu, là, en fait, je l'aime trop ça. Et puis, ça restait. Personne n'est pas t'a dit. Mais maintenant, là, tout laisse. On entend ta voix comme ça. Depuis, ils ont entendu ma voix, là, ça fait combien d'années? On n'a pas entendu ma voix quelque part encore. Si tu es mon ami intime, même quand on est là deux jours, là, je te dis, avec la vie qu'elle a là, souvent on grignote. Il faut grignoter souvent, c'est important, ça déstresse. On casse. On casse un peu d'œufs souvent. Nous, on grignotait. Les maris Kouassi et nous, là, on se met sur le côté comme ça et puis on dit, elle aime trop ça. C'est pas parti quelque part. On avait les docs même, on avait des docs même, des docs. On était au quartier, il n'y a pas de docs qu'on n'avait pas. On avait des docs. Mon attend si elle est docs là. Mais vos docs d'aujourd'hui, là, tout est dehors. Tout est dehors. Amitié, on ne peut pas s'asseoir sur... On ne peut pas s'asseoir sur... Ah. Hein? Surtout quand tu... Asseyez-vous sur les choses un peu maintenant. Moi, ils m'ont mis... Je ne fais plus, hein? Je sais où j'ouvre ma bouche pour parler. Je sais avec qui. Donc, pour vous grignoter comme ça, maintenant, je grignote difficilement. Même les gens d'Internet, là, même, là, d'autres viennent là-bas pour me mettre dans Ramba. Beaucoup viennent sur mon lieu de travail, là, pour me faire comme ça, pour me faire passer pour une allemande bien, une psychopathe. Soit si ce n'est pas garçon, ils envoient pour que le gars va me prendre pour aller à moi. Comme ça, ils vont avoir mon secret sentimental, là. Tout ça, là. Ils envoient ça là-bas. Mais quand ils envoient les gens là, ça reste d'englacer. Tu envoies les choses sur la table, je prends les, consomme les choses. Je consomme, j'envoie les choses, tu sais, tu manges un peu ça. Maman même, je ne suis pas tranquille. Je suis tout en debout, mon travail là-bas. Là. Je suis tout en comme ça. Je suis patente. Donc là-bas, la mère, il veut savoir comment dans le téléphone là, il veut savoir qui est propriétaire de Sama, qui mange Sama. Et puis s'il n'y a pas Sama là, à part propriétaire de Sama, est-ce que je ne mange pas sur le côté? Est-ce que je n'ai pas laissé? Appommer l'éléphant! Appommer l'éléphant! Appommer l'éléphant! Si le prochain clip, je ne suis pas dedans là, ça, il faut dire à Gigi, vous, ça va vous dégoûter. Ça va vous dégoûter même. Vive ensemble là, ça va vous dégoûter. Vive ensemble, ça va vous. Vous serez enlacé de vivre ensemble, il faut dire ça à Gigi. Dis à Gigi que ta grand-sœur dit que si on n'est pas. Elle ne danse pas dans le clip, elle est son foulard et puis cigare là. Ça va vous dégoûter. Ça va vous vivre ensemble en couple. Ça va vous dégoûter. Il faut faire la commission à Gigi aujourd'hui. Appommer l'éléphant. Appommer l'éléphant. Sinon, j'ai fait aussi. Hein. Oui, ils envoient les gens là-bas pour connaître mon sentiment. Oui, ils ont envoyé un vieux rococo. Ils ont envoyé un vieux rococo là-bas. Le vieux rococo, là, il payait les choses pour m'envoyer comme ça. Ah!
Chilo, la valeur ajoutée. Ma chérie, sois saluée. Ils ont envoyé le vieux Rococo là. Le vieux Rococo là, il payait les choses pour m'envoyer. Le vieux Rococo là, il s'assoit dans les coins comme un signe. En vrai, il est assis parmi les gens qui l'ont envoyé là. Celle qui a fait ça là, elle sait, je sais. Elle sait. Elle a mal fait le jour là d'envoyer le vieux là avec des gens qui sont à elle. Donc j'ai reconnu les gens. Les gens qu'elle a envoyés, elle a mal fait de venir. Là, je n'allais pas savoir. Peut-être même, j'allais aller m'asseoir. Hein? Amara, très fort. J'allais aller m'asseoir, peut-être le vieux là même, pour manger un peu. Peut-être ils allaient se mettre quelque part pour me prendre photo. Ou bien quand j'allais m'asseoir, j'allais faire comme ça un peu sur le vieux. J'allais manger un peu de poulet, j'allais me prendre photo. Mais les personnes qu'elle a envoyées là même, j'ai détecté en même temps, j'ai dit sur les soins, c'est des envoyés du diable. Ceux-là, c'est les envoyés du diable. Ils ont envoyé les gens comme ça pour faire chose. C'est resté dans Ratatouille téléphonique. Le tonton, il est resté dans Ratatouille téléphonique. On bavarde dans le téléphone. Il est quelque part, il dit, mes cuisses là, mes chaudes là, comment ça s'est fait? Amara, comment ça s'est fait? On va aller chez. Je dis, hey, le tonton, tu veux t'occuper de ça, ma? Hey, papa, je vais jouer avec ça, ma, un peu. Et si femme, on peut me draguer, mais pourquoi vous avez envoyé quelqu'un comme ça pour venir voir sentiment là pour dire demain qu'elle bavarde comme ça là? On la m'appelle. Qui on vous a dit on ne m'appelle, c'est pas? Ou bien je suis déjà venu ici pour dire on ne m'appelle pas. On me m'appelle bien, je m'appelle même. Je m'appelle bien. Je me sensationne même. Qui vous a dit ça? C'est pas avec plusieurs personnes, c'est ça le démantelage. C'est ça. La différence, c'est pas avec plusieurs personnes. Sinon, Johnny, c'est qui s'occupe de ça, ma? Aïe, vous pensez que ça m'a qu'elle a, elle n'a pas quelqu'un. Elle a quelqu'un qui s'occupe bien d'elle. Hein? Elle a quelqu'un qui la tape même comme ça. Marie Kouassi connaît qui s'occupe de Sama. Donc, où ils sont les veuves, ça va d'abord. Qui s'occupe de Sama? Si après Sama, l'après Sama, Sama c'est sensationnel. Sama que vous voyez là, elle est bricole comme ça, on s'occupe d'elle. Vous pensez quand elle vient parler comme ça, elle vient dire qu'elle ne fait pas chaud. Sama, on s'occupe d'elle sensationnellement par là. On s'occupe d'elle. Elle sensationne où elle est. On la tape. C'est à cause de beaucoup de dépenses là que ça m'a refusé d'aller dans les gigas, les restaurants, les hobbits là. Ben, les hobbits là, ça fait dépenser la vie. Ça m'a trop de dépenses familiales. Non, les bêtises là, j'ai une vie que je n'ai pas vécue. Je voulais vous expliquer ça, se couper. Les bêtes là, ils m'ont fait vendre poisson à partir de quel âge? Je vendais poisson où j'étais là. Ma soeur est sous le poste ici aujourd'hui, Marie Kouassi. Je vendais poisson frais. Je ne vous ai pas expliqué. Les bêtes là, mais ils ont joué à ma jeunesse. Je n'ai pas les pardonner la partie là. Ils ont pris ma jeunesse. Camara Shérif, merci. Bisous là-bas. Merci pour les cadeaux. Ils ont pris ma jeunesse. Joanie, tu as été expliqué aujourd'hui. J'avais un pointeur métis. Il y avait les gens me draguaient. Mais les bêtes là m'ont mis dans le commerce des poissons. Poisson frais. Petite fille à 4h du matin, il m'a vendu. 3h, 4h, il m'a vendu au marché de Sikoji. Il est fini de vendre poisson frais à 8h. Je suis au port de pêche. Il m'a cherché poisson. Loisir sentimental. Ça m'a fait quelque chose le dimanche là. Il y a une petite fille, il y a une jeune fille qui vient dans mon maquis là-bas. Elle vient, son petit chéri comme ça, mon petit, il est dans la cité là-bas. Elle vient, ils ont une manière de mettre la musique, ils jouent la musique, ils mangent un peu ce qu'ils veulent manger. Ils l'ouvrent un peu, ils mettent un peu de fali. Nayo, nayo, ayame la maman, ayame la via, je vais chanter. Quand on dit je vais chanter, la petite fille là se couche dans le bras de son chéri là comme ça. Elle fait comme ça un peu. J'étais assis derrière là-bas comme ça. Les loisirs sentimentales là, je n'ai pas eu ça. Donc, je regarde, je dis, ça là, ça me plaît. Je disais ça à Bijou et puis Diane. Je dis, ça me plaît beaucoup, ça. C'est qui sont affaires là? Naye, naye yo. Aye, mais la maman, oya la via. Je vais chanter. Quand on fait ça, la fille, la petite là, elle tombe un peu sur le jeune et puis de là. Ah, ah, je vais chanter. Je vais chanter. Il y a un autre encore là. Défali là. Ils finissent comme ça. Et puis, ils s'en vont dans la cité. Quand ils sentent que le petit gars et puis sa petite chérie, comme ça, ils vont à la cité. Ils vont peut-être en famille. C'est bon. Moi-même, étant à quel âge, là, quand j'allais comme ça, on me break là. Quand je m'en vais là, je dors là-bas. J'ai beaucoup dormi dans mes relations. Où on me breakait là, je dormais. Non,
Les bêtes là, ils m'ont eu, hein. Ils m'ont eu même. Je dors. Oui. C'est dimanche là, je me suis rappelé de ça. Dimanche là, je me suis rappelé, j'ai expliqué ça à mes petites soeurs, je me suis rappelé. La fatigue. Le tonton métis là, c'était un monsieur en son temps là. C'était un monsieur, c'est ça on appelle Sugadadi là. C'est ça on appelle Sugadadi. J'avais eu Sugadadi, son métis même. Un monsieur resplendissant comme ça, frère caviar. Il m'a croisé même là, il était mouk. Pareil, bassin, il y avait bassin comme ça. Mon bassin, Christ Audrey, bassin là, il y avait bassin comme ça. Avant là, il n'y avait pas d'identité culturelle. J'avais bassin comme ça, plat ici là. Mais j'ai sommeil. Quand le tonton m'invite à Yamé en bas là-bas, la vraie chose là, vers, j'étais mal mouk, hein. J'étais mal zo. À Yamé en bas là-bas, là, il y a un point comme ça, là, les tuyens aimaient s'asseoir là-bas, il y a fleurs comme ça, Yageli là, en bas de Yageli là. Pas Yageli Maki là, parce que pas dans Yageli Maki, il n'y a pas là-bas. En bas là-bas, il y avait un autre coin comme ça. Après la station là, pas Yageli là, hein. À côté, en bas de Yageli là. Il dit, on va s'asseoir, il y avait les fleurs comme ça. Le tonton là m'envoie dans les coins comme ça. Respectable là, on arrive là. Les gens sont là comme ça. Il attrape ma main, mon sac. Il me mettait dans les gigas. Ah, si on appelle à la terrasse, c'est là-bas, on s'en s'assoit. Il m'envoie là-bas. J'ai dit, je suis assise même comme ça. Une minute, deux minutes, troisième minute. Sommeil. Je dors comme ça, je dors. Au lieu de lever le monsieur, au lieu de... J'ai dit, je fais comme ça. Non. Je ne peux pas pardonner ces bêtises-là. Je suis sapée, puis je dors. Je fais ça. Le monsieur fait comme ça. J'ai dit, oh. J'ai dit, oh. Ah. Il dit, ah, tu veux rentrer? Il dit, ah, je vais rentrer. Je vais rentrer, j'ai sommeil. Je n'ai pas mangé à checker. Il y a 3 heures du matin, aller au port. Du port, 8 heures, continuer le port. Quitter au port à 17 heures. Revenir mettre poisson dans le frigo. Marie Kwasi, ma soeur, c'est quel travail je faisais. Mettre le poisson au frigo. Il n'y a pas de frigo, les chambres froides là. Hein. Avant, ce n'était pas les chambres froides, c'était sans glacé. On met ça dans les frigos gâtés en bas là. Il faut s'asseoir, toi. Aoussa là, il va tout ranger, bien mettre, bien arranger. Devant toi, tout, hein, les cartons, tout. Et puis maintenant, tu vas aller donner l'argent au gardien là-bas. Pour ne pas qu'on vole ton poisson la nuit. Tu marches maintenant à 17h, tu t'en prends. Roro, tu t'en vas à la maison, 18h. Tu vas arriver à la maison, tu vas te laver, tu vas finir de te laver. Tu finis de te laver, tu vas t'asseoir. Tu vas manger un peu, tu es fatigué. Au lieu de dormir, dans ça, tu veux faire un peu de ouraouraya. Il n'y a même pas le temps de ouraouraya. Ça y est, ouraouraya de 20 ans, 22 ans, ouraouraya façon là. Il n'y a pas ouraouraya. Les ouraouraya là. Ouraouraya sentimental, 22 ans, 23 ans, façon. Et puis ton gars, il passe ici au quartier là. Si tu veux partir causer avec Guizot, il y avait Guizot qui me plaquait au quartier là. Maman, ça me trouvait là-bas. Guizot, elle porte petit tricot. Elle me tire là-bas pour ne pas causer avec Guizot. Je n'ai pas causé avec Guizot. Je n'ai pas causé avec mon Sugadadi. Je dormais Sugadadi même là. Je dors troisième jour. Sugadadi s'est plaint dans la main du gars de ma grand-sœur que vraiment, la petite là, je l'aime bien. Je l'aime bien, mais elle dort beaucoup. Sinon, je l'aime trop, mais elle dort. Toujours quand elle l'invite là. Et puis, elle somnole. Quand elle parle les trucs, elle dit que poisson là, ça coûte combien? J'ai dit, ah. Il dit, j'ai dit tout ça là-bas. C'est bon, moi-même, la cause de la honte là. J'ai dit, faut. Plus qu'à épouse qu'on est. J'ai dit, faut, il dit, j'ai dit ça là aussi. Il dit, j'ai dit plus de poisson. Ah, c'est bon. J'ai dit, c'est que ça atteint son apogée. Ça atteint même. Ça atteint. Il a dit son apogée est atteint. J'ai atteint mon apogée là. J'ai atteint. C'est bon. J'ai dors. J'ai 10 prix de poisson là-bas. Il t'a dit ça, tonton Mesmer. Tonton Mesmer dit, ah, le monsieur a dit que tu vas là, tu dors. Tu dors jusqu'à... Tu fais comme ça. On te tape, tu te réveilles. Après, tu prends un peu d'eau, tu laves ton visage, tu t'assois. Tu dis prix de poisson. J'ai dit prix de poisson. Ah, j'ai atteint mon apogée. J'ai atteint. J'ai atteint, c'est bon. J'ai dit, tonton Mesmer, faut lui dire, faut plus, il va venir me chercher. Faut pas avoir m'appeler même. Parce que c'est ma grande soeur qui avait portable. Et puis on avait fixe à la maison. J'ai mis fixe là. J'ai dit, c'est bon.
J'ai dit, tonton, mais il ne faut plus, il va m'appeler, c'est bon. Si j'ai dit plus de poissons là-bas, c'est bon, ça suffit. Guizot aussi, j'allais m'asseoir un peu avec Guizot, devant la porte de Guizot, je n'ai même pas fait quelque chose. J'ai m'asseoir si petit clôture comme ça les soirs, pour causer un peu avec Guizot. Maman s'en va, elle porte petit body comme ça, serré, elle attrape, elle court, elle me cherche dans le quartier là, comme si elle s'est perdue. Il n'y a pas à vous pardonner la partie là. Il n'y a pas vous pardonner la partie là. Je n'ai même pas pu vivre même les choses de 23 ans, 22 ans, mais déhancher comme ça, je n'ai pas pu. Guizot, un joli jeune Guizot. En ce moment, Guizot n'était pas daté. Guizot était joli comme ça. Toutes les filles veulent Guizot, c'est moi Guizot voulait au quartier. C'est moi Guizot voulait au quartier. Guizot était mignon comme ça. Là, c'est moi Guizot voulait au quartier. Il y a ma soeur et Guizot devant la porte de Guizot. Les filles là, viennent derrière Guizot. Guizot chasse les filles là. Il me plaît, il s'est assis. Il s'est assis au quartier. Après, Guizot ne va pas quelque part à moi. Hein. Il ne me prend pas pour aller à moi. Ils sont devant les portes. Quand les filles un peu plus sophistiquées, là, elles viennent là. Guizot leur dit bâche. Guizot leur dit bâche. Pour Guizot là encore. Ils sont venus, mais maman vient me chercher en vitesse. Il court, il met derrière à la maison. Il ne sait plus où Guizot est aujourd'hui. Après Coro. Coro aussi était fan, il s'appelle Coro. Petit Coro Madou, il était fan de moi. Il est devenu chauffeur de gros camions aujourd'hui. Il me prend, il m'envoie, lui, il m'envoie dans les couloirs maintenant. Lui, maintenant, tu sens qu'il voulait maintenant, il voulait faire les. Ça dit, il voulait aller, il va en découdre derrière moi maintenant. Coro, lui, il ne voulait pas s'amuser. Parce que Coro, lui, là, il ne s'assied pas à moi comme façon Guizot s'assied. Lui, il rentre dans les. Il me fait tourner dans les couloirs. Non, Coro lui, il me prenait, hein? Il me prend en sandwich, il tourne à moi, il tourne à moi, il me dit, hé, hey, passe ici. Quand on dit, maman me cherche là, Coro lui, il était bon, elle est bêtée là. Mais quand on dit, maman me cherche là, il court à moi. Les gens viennent me dire, mais Fatima l'a dit que, on dit, ta maman arrive ici, il court à moi, on prend les couloirs. Il tire ma culotte, il me prend, il va à moi dans les coins, il me serre. Coro me serrait, hein? Il me serrait, il appuyait la gosse de sa main. Coran seulement lui, il n'a pas cédé aux caprices des bêtises là. C'est que. Coran lui n'a pas eu peur. Hein. Coran, il courait moi. Quand il entend que bo, LMP arrive ici là. Parce que Coran, c'était un petit du lac. Comment il dit, il me prend RHDP. Il me prend RHDP, il court moi. On attend là-bas, on dit, ah, chose arrive, LMP arrive. Hein. Quand il entend que LMP arrive, BBT arrive là, il me prend, on rentre dans les recoins, on sort vers le banquier là-bas, on reste quelque part au milieu là-bas. Il me colle au mur là-bas, il me serre bien, et puis après, on revient au quartier. Quand il revient ici, guindé comme ça, Guizot lui m'appuyait, pas pourtant, Coran il m'appuyait. T'as encore Coran m'appuyait là-dedans, quand il sort là, il boit à moi, hein. La vieille même ne pouvait pas. Dans la fin de Corona, elle se demandait qui était là maintenant cette fois-ci. J'ai dit, voilà. Tu as croisé à la GPC sur ta route. J'ai dit, tu as croisé à la GPC sur ta route. Tu dis, tu es LMP, non? Tu as croisé aujourd'hui. Voilà. Elle dit, embêté, moi, bon, il y a dit qui? J'ai dit, j'étais parti causer à la Fatima. Qui a dit, j'étais parti quelque part? Ah oui, je ne sais pas quelque part. Hein? Zenab Fof, tu as croisé. Corona, c'était un petit chou. Elle lui a dit, nous poursuivons coup. À ce moment qu'il rentre là, il m'a serré, il a appuyé un peu la tente de la grande soeur de Sama, il a appuyé bien même, puis il rentre. Et ça, quand il vient aussi là, c'est l'amour qui est ça, c'est quelque chose. Hein. Il est si un peu guindé. Autant de Guizot n'était pas guindé. Ça là, il est si un peu guindé. Puis, il a aimé ce que le petit Corolla, ce qu'il faisait, ça me plaisait. ça me plaisait beaucoup. Oui, bébé, il est vent poissé, si fatigué, mon corps me fait mal, on ne peut pas me tirer. Corolla me tirait mal. Me tirait quand il rentrait, et ça me plaisait. Donc après, je retourne encore quand on me dit, il mentait plus le soir encore. Il a dit, Coran, on ne prend plus même couloir ça là. On prend l'autre couloir. C'est moi, mais maintenant, je cherchais le couloir maintenant pour aller là, pour aller en Coran. Il dit, il ne peut pas. Ça me plaisait ce que Coran faisait. Parce que Coran, il tenait tête à la vieille. Avant, mettez là. Non. C'était pour expliquer ça.
Marie. Je ne savais pas comment faire pour débloquer Marie. J'ai envoyé le savon de Marie hier là. J'ai envoyé le savon de Marie matin là. Hein, je ne savais pas comment faire pour débloquer Marie. C'était pour expliquer ça. Pas, je me suis rappelé la fois passée, la dimanche là. Ça m'a trop fait mal. Hein, surtout mon tonton Sougada dit allez là. Il y a ma grosse voiture comme ça. Et c'était un Sougada dit. Ah, c'est ça, on appelle Sougada dit aujourd'hui là. C'était ça. C'était ça. C'était ça. Lui aussi n'a pas été les hommes choses là. Une petite fille d'or, faut la rêver. Ah, il n'a pas été à la hauteur. Je dors. Réveille-moi. Réveille-moi, envoie-moi un chant. Hein? Appelle, dis que allons, on chante. Tu vois qu'une petite fille, tu sors, elle, quand chaque jour, elle dort. Tu peux dire, ah, elle est fatiguée. Et puis tu connais le travail de la petite fille. Tu sais que la petite fille, elle va penser, elle se réveille tôt. Ah, tu peux dire, ah, de toute façon, tu te réveilles tôt. Là, chaque fois qu'on doit se voir, on peut aller. Je vais prendre une chambre, on va aller là. On va aller arriver là, tu vas te reposer. Là, je dors un peu. Il ne me réveille pas, il sent, il me critique là-bas, il sent, il me dit là-bas que non, je dors, je parle de prix de poisson. Je dis d'accord. Comme je parle, je vends poisson et toi là. Oui, il ne m'a pas aimé même. Il ne m'a pas aimé. Parce que s'il m'avait aimé même là. Dormir, c'est quoi? Je suis fatigué. Je suis fatigué. Ce n'est pas parce qu'il y a fumé calique, je dors. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Sommeil, la main s'est restée dans moi jusqu'à aujourd'hui. Je dors beaucoup. Mais c'est quand j'arrive quelque part, je suis fatigué. Ce que je suis venu pour faire là, si vous ne faites pas net là, sommeil là, ça vient. Ça que ça arrive un moment, j'ai dit non, 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 travail. J'ai fait travail libéral maintenant. Poisson, ça suffit, ça m'attraite. Ça m'attraite, tu n'as pas gars, tu n'as pas de sensations. Toutes mes relations, quand il partait, maintenant, mais quand il a commencé à avoir gars même là, bon, maintenant, bien là, on s'en va vendre là. À 4 heures, on connaît mon programme. On ne joue pas avec mon programme. À 4 heures, moi, on vient toujours me déposer au Carrefour Pâtisserie. 4 heures, on vient me déposer au Carrefour Pâtisserie. Ça, si tu veux, je suis fan de toi, oh. Je ne suis pas fan de toi, oh. Je t'aime, oh. Je ne t'aime pas, oh. Je suis amoureux, je ne suis pas amoureux, oh. Le show est chaud, oh. Le show est chaud, comment? Je descends, je m'en vais à Bobo, il y avait un autre gars aussi, je quitte, je viens, je descends, on me descend toujours, pharmacie pâtisserie, je descends à 4 heures, on me connaît, le show n'a qu'à être chaud, le style n'a qu'à être style. C'est nous, on portait les Dockside d'envoyer les longues chaînes en or. Ils connaissent. Si quoi, ils connaissent. Makama, Magnina et moi, on descend toujours devant la pâtisserie. Puis ils rentrent au marché. Si ça peut, il y a habit de poisson. Là. Ça est dans un sachet comme ça. Ça sent bien. Il y a les m'échanger, il y a porté. Puis ils commencent à parader. Là, ils continuent. C'est pour nous, c'est lancé jusqu'à. Travail qu'il fait aujourd'hui. À quoi ça, il dit week-end, samedi, dimanche, ils vendent les choses. Les autres jours, ils sont fatigués, mon corps va se reposer. Comment il voulait aller faire loisir encore, à faire des bêtises, là, c'est toujours là. Il faut tout occuper d'eux encore. Ce n'est pas encore fini. Tension. Tension est là. Femme bêtise, est toujours là encore. C'était moi. Toujours là, ces choses, les dépenses, ça ne finit pas. Quand elle ne se sent pas bien, dire l'attention. Quand elle t'appelle, yé, yé, yo, zéré, né, ouh, on est blanc, yé, na, comme, oh, non, na, il serait bon, mais ouais, y'aura. Ça, c'est, il n'y a pas l'argent dans le porte-monnaie. Maman. Il y a quand il n'y a pas l'argent dans le porte-monnaie, net là. Elle dit, la tension est montée. Quand le frigo est vide, net là. Oh, dans bonbon, tout bonbon qui est là, là. Elle va distribuer bonbon. Elle va dire qu'il n'y a pas bonbon. Tout, comme elle allait faire d'Yaké là. Tous les petits enfants qui pleurent, à n'importe quelle heure, qui vont pleurer, 4 minutes, 2 minutes, vont pleurer. C'est elle qui va les distribuer bonbon. Demain, ça soit dit, non, que ça tape vite. Quand elle commence à dire ça dans ton téléphone, bonbon là même là. C'est ça, quand ils vont, et puis ça me met. Ça me met bien. C'est ça qui fait que je suis là. Et puis il y a la force. Quand il y a un petit commerce au moins. Mais tout bonbon là, mais fini. Il y a des fois, expédier l'argent et puis ils vont envoyer. Il n'y en a pas l'argent. Il n'y a pas de marchandise. Dieu, je sais aller faire en force. Attention à baisser. Le frigo est vide. Attention. Salam alaikum, il est fini. Ça se coupe seul maintenant. Tout de suite, c'est fini. Bisous à tout le monde. Merci. C'était moi, oh, la nièce du capitaine. Vous savez que l'hymne national, on ne peut pas se lancer sans l'hymne national de notre famille.